À 3 mois de la 12e édition de la Tropicale à Missa Bongo, la Fédération gabonaise de cyclisme a évalué ses coureurs dans le cadre du championnat national de la discipline. Les cyclistes évolués en élite ont parcouru 145,6 km en circuit fermé, tandis que les juniors ont couru 83,2 km. Une compétition qui permettra de sélectionner les meilleurs coureurs qui prendront part à la Tropicale à Missa Bongo. Tant qu'il y a le moral, il y a la confiance. Mais vous-même, vous savez que la Tropicale, c'est un autre niveau. C'est des professionnels, ce n'est pas des amateurs comme nous. Donc là-bas, le niveau est vraiment élevé. Là-bas, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Si ça marche, Dieu merci. Si ça ne marche pas aussi, bon, c'est Dieu qui décide. La Fédération gabonaise de cyclisme renoue avec la compétition après plusieurs mois d'absence des routes gabonaises. Pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, cette reprise des activités de la Petite Reine permet de jauger le niveau des athlètes. Cette course nous aura permis d'abord d'observer la qualité des athlètes que nous aurons peut-être à mettre en compétition lors de la Tropicale à Missa qui s'en vient. Donc je suis globalement satisfait et le ministère de la Jeunesse est globalement satisfait. Le championnat national gabonais de cyclisme sur route catégorie élite a été remporté par Geoffroy Gambanda. De son côté, René Khalifa Moulungi s'est adjugé le titre chez les juniors. Au total, 6 ligues pour 48 cyclistes ont pris part à cette compétition et 17 cas d'abandon ont été enregistrés.